C'est inacceptable. Encore un F ? Oh non, pitié, me faites pas la morale. Encore. T'aurais pas pu réviser plus ? Et pose ce jouet. Ah, c'est plutôt intéressant en fait ce truc. Assieds-toi là et réfléchis à ce que t'as fait. Oh là là, mes parents sont tellement embêtants. Si seulement ils existaient plus. Ouais, s'ils disparaissaient, ma vie serait 100 fois mieux. Ah, t'as entendu ça? Pourquoi pas lui donner une bonne leçon? En fait, partir faire de petites vacances, ce serait une trop bonne idée. À plus tard, bébé. Les grasses maths, c'est les meilleures matinées. Attends, mais pourquoi personne m'a réveillée? Maman? Papa? Y a personne dans le bureau. Personne dans la salle de bain? La chambre est vide aussi. C'est une blague? Arrêtez de vous moquer de moi. Mes parents ont vraiment disparu? Oui, l'ourson. Il n'y a plus que nous deux maintenant. Waouh! Je me sens vraiment adulte maintenant. Quand t'es toute seule, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais autant faire la fête. Je vais appeler tous mes potes. Oh, c'est Lily. Allô, Lily? T'es sur haut-parleur. Il n'y a personne chez moi. On s'amuse un peu? Quoi? C'est une super nouvelle. Pas besoin de nous demander deux fois. Hey, on est là. Cool. La bande est réunie. Que la fête commence. On peut faire tout ce qu'on veut. Mais d'abord, on doit manger. Prenez tout ce que vous pouvez trouver dans la cuisine. Ça va être trop bon. J'arrive pas à croire qu'on puisse cuisiner tout ce qu'on veut. Littéralement n'importe quoi. On va faire des expériences. On ajoute de la sauce. Et boum! Ce super smoothie est prêt. On va goûter. Oups! Ça s'est pas passé comme prévu. Je sais, on a juste besoin d'ajouter un peu de magie. Mais ça n'a pas beaucoup aidé non plus. Quoi, c'est bon, faites pas genre. Il n'y a que l'hôtesse qui est satisfaite de cette recette. La bonne nouvelle, c'est que la voiture n'a pas disparu avec mes parents. Hé les gars, on fait un tour? Qui pourrait refuser ça? Démarre la voiture et on y va. Vroom vroom! Hé, attention au virage! En fait, c'est plus marrant comme ça. Pourquoi la voiture est ouverte? Oh là là, mais vous avez perdu la tête, les gars! Oh, encore des adultes! Ils savent pas s'amuser, ceux-là! Prendre un bain, c'est un autre truc que je veux faire. Pas n'importe quel bain, mais un bain plein de mousse. Je me demande ce qui fait le plus de bulles. Oh, c'est quoi la différence? Je vais verser les deux. Et personne peut m'arrêter. Hé, hey, ça marche! J'adore quand il y a plein de mousse. Et pendant que la baignoire se remplit, Lily fait une pause goûter. Mais maman a dit de ne pas laisser la baignoire sans surveillance pour une bonne raison. Les amis, au secours! Apparemment, il peut y avoir des tsunamis dans une salle de bain aussi. Oups! C'était pas une bonne idée. Et maintenant, on doit tout laver en plus. La loose! C'est quoi une bonne soirée sans télé? Cool, des dessins animés. Mais c'est un peu... embêtant. Ça suffit. J'ai déjà vu cette émission une centaine de fois. Si on fait une fête de grands, il nous faut un film de grands. La série sur les zombies est trop cool. C'est super sympa, mais tellement flippant. Oh! Mon Dieu, mais elle sort d'où, elle? Ah! Mais Thomas, t'as perdu la tête? Oh! Les voilà! Oh, secours! Bon, les dessins animés, c'est mieux. Tu sais, être un enfant, c'est pas si mal en fait. Normalement, j'ai pas le droit d'utiliser le maquillage de ma mère. Mais comme elle est pas là, je peux faire tout ce que je veux. Toutes ces couleurs! Et on peut tout tester? Waouh! On va mettre de l'ombre à paupières. Et un peu de couleur sur les lèvres. Et ouais, la beauté, c'est le pouvoir. Vous êtes là, les filles? Oh, Thomas, t'en penses quoi? Wow, le cauchemar! C'est contagieux? Il est trop chelou, lui!
Il y connaît rien à la mode. Peut-être qu'on devrait lui montrer notre look complet. Avec des talons? Oh oh! Mauvaise idée! Pourquoi ça penche comme ça? Je déteste ces chaussures! On a fait tous les trucs d'adultes. On peut faire quoi maintenant? Super! Une bataille de polochons! C'est toujours une bonne idée! Oups! On en a perdu une! Attention! Revoilà Nikki! L'heure de la vengeance a sonné! Je vais vous donner une bonne leçon! Oh, ces batailles de polochons sont épuisantes! Et l'appart ressemble à un vrai champ de bataille. Mais au moins, on a tous gagné! Qu'est-ce que les adultes aiment faire? Peut-être... travailler? Les rapports? Oui, ils sont prêts. Trop cool ces post-it! Mais travailler, c'est épuisant. J'ai tellement faim! Thomas va s'en charger. Oups! Où est-ce que je peux trouver de l'argent? Oh! Dans le coffre! Faut juste que je l'ouvre. C'est quoi le code? Oh non, pas de chance! On va mourir de faim! Mais non, pas du tout! C'est pas encore fini. Oh, j'ai une tirelire! J'avais complètement oublié. Oh, waouh! On va pouvoir faire une super virée shopping. On va aller au magasin. J'arrive pas à croire que c'est tout à nous. Et le caissier aura droit à un pourboire. Les enfants, vous savez combien ça coûte tout ça? Tous nos snacks préférés, rien que pour nous. Il faut payer maintenant. Garde la monnaie. Waouh, les enfants, c'est un plaisir de faire affaire avec vous. Où est-ce que ces jeunes ont trouvé autant d'argent? C'est trop cool d'être indépendant. Hé hey, les filles, regardez ce que j'ai trouvé. Aïe, ça fait mal. Thomas s'est blessé, on doit l'aider. Mais Nikki ne supporte pas la vue du sang. Tout dépend de Lily maintenant. Attends, attends! Je dois juste trouver le bon médicament dans la trousse de secours. Et Nikki? On devrait peut-être la chatouiller un peu? Oh, arrête ça! On est en pleine opération de sauvetage. Mais le sang ne s'arrête pas de couler. Il a besoin d'un pansement. Du PQ fera l'affaire. Et voilà! Ça va guérir en un rien de temps. Ah, les filles! Mais qu'est-ce que je ferais sans vous? Vous êtes mes sauveuses. Une fois toutes les corvées terminées, on peut jouer aux jeux vidéo. Waouh, c'est trop cool! Mes méchants parents ne me laissent jamais jouer à Mortal Kombat. Mais c'est trop bien! Le temps passe vite quand on s'amuse. Oh là là, j'ai tellement sommeil! Mais je suis trop occupée à me battre! Levez-vous, les filles! Tiens, prends du café. C'est ce que les adultes font quand ils ont besoin de rester éveillés. Ça sent bizarre. Que ça a un goût de terre. Dormir, c'est vachement mieux. On pourra finir la partie demain. Vivre seul, c'est bien et tout. Mais on s'ennuie un peu sans les parents. Devine qui c'est? Waouh, vous êtes revenus! Attendez, c'est quoi ces oreilles? Quoi? Vous êtes allé à Disneyland sans moi? Comment vous avez pu? Et c'est reparti! Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces enfants de nos jours? Elle t'a plu cette histoire? Est-ce que toi, tu as déjà eu envie de vivre tout seul pendant au moins une journée, sans aucun adulte avec toi? Ou est-ce que quelque chose comme ça t'est déjà arrivé? Dis-nous tout en commentaire! Et n'oublie pas de lâcher ton like pour cette vidéo, de t'abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche. Ne rate pas les nouveaux sketchs sur les enfants et les parents sur Troom Troom.